t'attends sur le 2, qu'est-ce que tu ressens à l'instant? Beaucoup de joie, j'ai du mal à y croire encore parce qu'on part de très loin. Ça a été très compliqué le premier quart d'heure et puis après on a commencé à prendre le dessus sur le match, rester stratégique, tête froide, pas tomber dans les pièges et puis il n'y a plus qu'à profiter maintenant. Voilà, hein. Et comme tu disais, donc un match compliqué, donc vous avez joué à 14 contre 15, parfois même à 13 contre 15. Ouais, et Maressa, les valeurs Bédarides ont été intactes. Ben, elles ont été encore plus fortes parce qu'on s'est serré les coudes et on avait tendance à des fois se les desserrer. Mais ça a été une saison complexe et qui finit en feu d'artifice. Donc très très heureux. Et maintenant donc la N2, ouais. C'est un rêve pour toi? Ouais, c'est un rêve. C'est un rêve. Déjà la F1 c'était un rêve il y a 4 ans. Et c'est un rêve de pouvoir vivre ça dans son village. Donc que du bonheur. Ça va être la fête alors. Ouais, je vais boire une bière. Ça marche, merci.